De retour sur Castlevania. J'ai un la peu dernière fermé. boîte. Oh, on sait pas. On sait pas ce que ça nous réserve. Alors j'ai un petit peu fermé, un petit peu. Comme tu peux voir les stats. Ah oui, effectivement, oui. Mais bon, je te parie que ça servira que dalle, hein. Et niveau des ennemis, j'ai tout récupéré, tout ce que je pouvais avoir sur tout ce que j'ai découvert. Alors, il y a eu de tout et n'importe quoi hein, au niveau des objets. Hein, par exemple, sur les chapeaux. Qu'est-ce que j'ai eu? Le home du chevalier qui est pas mal du tout. Stéphanie, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Un espèce de diadème. Donc t'es parti renifler toutes les zones du château pour récupérer ce qui traînait. Ouais c'est ça, et puis j'ai fait le tour aussi avec le chapeau qui fait pop les coffres et le chapeau qui fait apparaître les murs destructibles. Par contre, du coup, la fameuse bague justice là, qui booste les stats en fonction des ennemis. Au final, elle me sert pas tant que ça sur un build magie. Hein. Faut que je trouve autre chose. La bague mort, on va éviter. La bague sobriété, ça augmente tout, mais seulement un petit peu. Genre l'intelligence de 1, c'est pas terrible. Il y aurait l'ermite. Monde 2-3. Ouais, je vois que ça. Le trotteur, mais je sais pas si j'ai mieux. Ah, quoique, ce truc Stéphanie, c'est pas si mal, hein, ça m'augmente bien l'intelligence. Mieux que le Globetrotter. Bon, ouais, c'est comme ça. La Côte Valkyrie, certes, elle augmente pas l'intelligence, mais après, le fait de pas être empoisonné, c'est quand même bien pratique. Ça dépend si t'affrontes de l'ennemi qui empoisonne. Bah, on sait pas trop. Hein. Comme ça, de toute façon, on a un boss à affronter. Alors, j'ai potentiellement des quêtes à rendre. Some good steel, right? See you later. C'est la fameuse pierre que je n'ai pas. Et elle, c'est le mec qui se cache dans la caverne de l'enfer. Donc pour l'instant, niveau quête, on peut pas avancer plus. Hein. Bon, on avait un boss à tabasser, je crois. C'est parti.
Ah oui, je peux dire que je l'ai farmé le roi squelette. C'est pour ça que mes points ils sont aussi élevés. Ah oui, j'ai shooté ça aussi. Cuirasse miroir. J'ai dû mettre 2 heures pour la choper enfin. Il n'aura plus peur des médusa head. Et justement, c'est la fameuse médusa head grise qui la donne. C'est celle qui n'est pas souvent là. Ironie. C'est une blague. Oh mon dieu. Alors, je sais pas ce qu'il va faire. Ah ok. Au cas où, de toute façon, j'ai récupéré plein de trucs de... des objets de soins. Péter la cheville. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui. Je crois que j'aurais dû passer derrière lui. Ouais, d'accord. Aïe. Ah oui, d'accord. Ok. Derrière lui, d'accord. Je vais mourir en plus. Je vais me soigner quand même. Ça me fait un petit peu chier de claquer des items de soins, mais. C'était laquelle que j'avais mis? Ermite. Okay. On peut pas aller derrière. Comment je peux faire pour les péter ces arbalètes là? Je crois ici. Ça, le truc qui augmente la force. Qu'est-ce qu'il est ? Trop de glyphes, hein. Soigner, ça va être long. Hein.
T'arrives pas à les esquiver les coups de sabot. Non, et les flèches non plus. Refresh parce que j'en ai fermé pas mal, je sais où je peux en avoir sans trop de problèmes. Ouais, par contre c'est bien ce que je pensais, ça en donne pas beaucoup. Trompe. Bon, j'imagine que ce boss tu l'avais pas fait. Qui t'a remarqué? Ouais, non, je le confirme, je l'ai probablement pas fait. D'achever ce truc. Je vais manger toutes mes crêpes. Ouf, enfin. Pourtant 3000 HP c'est pas beaucoup hein. Faible à l'électricité, fort face au feu. Ouais, là j'aurais clairement dû utiliser la boule magique plutôt que mon rayon laser. Bon bah au moins on l'a tué. Effectivement. Ah non, il va pas avoir d'attaque finale. Ah, c'est bon. C'est pas l'arma Custos ? Ouais, c'est ça.
tirer sur l'ennemi, ça se trouve c'est fort. Après on sait déjà où est-ce qu'on va les utiliser. Par contre on peut pas les enchaîner. Ah bah tiens, il y avait un seul des dans le mur. J'ai un truc pour me transformer en femme chat. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut pour parler au chat. Soybean flour, le chat s'appelle vraiment farine de blé de soja. Montrez-vous dans la prison pour faire apparaître une machine infernale et préparez vos combos. Oui, ça je sais, ça c'est le fameux homme de fer qui spawn quand tu te fais griller. Ici il y en avait un. Ah, donc c'est lui qui donne l'astuce pour les cailloux qui tombent. Exactement. Le dernier, je me rappelle plus où est-ce qu'il est. Non, non, pas toi. Oui, je me transforme peut-être. Ouais, bah je la connais cette pièce. Cette fameuse porte avec les trois glyphes du Cerbère. Devenu gratuit les trolls maintenant.
panneau avare. Ah, pas mal. Même farmer de la thune, c'est tellement chiant dans ce jeu. Pas encore croisé. Chevalier final. Ah, il est toujours lui, hein, dans chaque Castlevania. Hein. Soleil. Bah ça c'est... Je vais être plus fort la journée j'imagine. Ouais. Pas mal. Déçu quand même. Même en volant, elle est aussi lente qu'à pied, j'ai l'impression. Thank you.
salle du troll. Jugement. Ça peut être un bon plan. Un petit truc caché là comme dans Super Castlevania 4. Ah si hein, quand même. Ce qui se trouve derrière cette porte, évidemment. Peut-être pas y aller maintenant, non?
y avoir cassage de tronche épique bientôt. Avant, faut visiter les zones de l'enfer. Ticket magique. Come back again. Par contre, est-ce qu'il y a des zones que je peux visiter maintenant avec le vol que je pouvais pas avant? J'ai pas souvenir. Je crois que je me suis arrangé pour faire l'intégralité avec le dive kick sur les ennemis. On va commencer par ça. Bon, salut. Il n'a pas passé la première salle. Bon bah... Pourtant faut les faire ces endroits de merde là, je suis sûr qu'il y a des trucs bien dedans. Ah mais c'est bon, j'ai à peine d'arriver. J'ai plus de vie hein. Fait chier mais on se soignait hein. L'arrière-plan fait mal aux yeux quand même. Trop de détails, tu le détailles. Alors lui il m'avait rincé la dernière fois. Et ils sont intestables en fait. Ouais, tu m'étonnes niveau sup. On va voir qu'est-ce que c'est que ces choses. Ah, 2000 HP, ouais. Oh, fait chier, en plus, ils lootent des trucs. Par contre, le feu, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur eux, c'est peut-être pour ça.
crois que j'ai raté le coche, c'est ça? Putain. Ça va, on est pas obligé de tout refaire. Faut juste attendre. Il y avait une espèce de salle comme ça dans Harmony of Dissonance où il y avait une boule de flipper, il fallait aller plus vite qu'elle. Ça te permettait de d'aller plus loin simplement. Oh le con, j'ai voulu voir s'il y avait un mur cassable. Tant pis. Tiens, je sais ce que je peux faire en attendant. Est-ce que tout le monde s'amuse? Oui, bien sûr. Empereur. On va regagner nos HP. Les bonnes vieilles ambiances Circle of the Moon. Quand au début du jeu t'as que ça pour te soigner. Ça rappelle des souvenirs. J'ai pas envie de descendre par là pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Ok, le truc est en plein sur le lance-flamme. Je vois pas trop où je dois aller. Ah si. Il y a un point d'accroche sur la roue. Merde, le con. Trop tôt. Eh, l'arrière-plan il fait vraiment mal aux yeux. Soigner quand même. Bah allez, j'étais dessus. Là. Ah. Les vicieux. Ça va être compliqué. Oh putain, j'ai jamais y arrivé hein. La plateforme, c'est pas pour rien que je joue jamais à des jeux de plateforme.
Mais il était où le truc? Il a perdu le truc. Non. Ah, d'accord. Trop tôt. Ouais, d'accord. Ah, et ça te kick de la plateforme en plus. Mais c'est pas possible, ça va trop vite. Ou alors attends, faut que j'aille vite moi aussi. Je vais péter la gueule à hein, 100%, mais bon. Ouais, je vais beaucoup trop vite en fait. Donc je peux peut-être atteindre l'autre plateforme. Regardez la vitesse quand même. Ça va beaucoup trop vite. J'ai l'impression d'avoir des chaussures en savon.
non. Je mets le truc de vitesse. Oui, bah forcément, oui. Il marche le la touche L, oui ou merde là. Putain, oh, tous les objets de soins, ça fait tellement chier. Et tout ça sans avoir rencontré le moindre ennemi. Ah, c'est une roulade qu'il faut faire. Bon, ça y est, c'est fini. Je peux partir et ne jamais revenir dans cette zone de merde. Ah. Un mimique. Non, non. Oula. Bon, je suis sûr qu'il y en a toute la descente, hein, donc on va se soigner bien comme il faut. Alors j'annonce, hein, peu importe les passages secrets, je ne reviendrai pas ici, on n'aura pas le 100% de la carte, ça m'est complètement égal. Hein. Qui aimante les dames pour ajouter de l'effet. Dernière. Les bonus sont beaucoup trop conséquents pour l'ignorer. On va la prendre. Ah, c'est quoi ce truc alors? Ça, je crois, ouais, ah, je aimante des lames, je sais pas quoi, ouais. Ils sont sérieux, je me suis vraiment fait chier juste pour ça. Ma félicitation. On les a eu, du coup on les oublie. Qu'est-ce que j'avais à la place? C'était ma boule magique, je crois. Après, je sais pas exactement la puissance de ton armure actuelle, mais je sais qu'il y a une chance pour que tu récupères une bonne armure en faisant ce parcours. Et bah, c'est ce que j'en ai récupéré, la robe décolletée, là, non? T'avais récupéré ça? Je t'avais vu récupérer un diamant? Oui, mais tiens, j'ai récupéré ça aussi. Robe décolletée. Et quand tu regardes par rapport à la Cold Valkyrie que j'avais... Ah oui! C'est quand même pas mal, hein. Pourquoi elle est nulle? Ah, c'est considéré comme nuit maintenant? Attends, on va voir. Ah ouais. Ok, bah à partir de 18h, il fait nuit. Hein. Info que je ne savais pas. J'ai un loup, quoi, j'appuie sur la touche, sur la gâchette, là, il fait quoi? Enfin, c'est pas clair.
Bah, il reste plus que la caverne. Voilà, la caverne. Ils font mal au bout d'un moment, eux. Adon. Oula. Apparemment, je connaissais déjà. Ah, Globus, c'est pas le truc de du vieux là, la boule magique qui rebondit. Va pas plus loin, tu vas en faire popper un troisième. Il y en a trois. J'en sais rien du tout. Non, ça a l'air d'être beau. C'est ça qu'ils aiment quoi, les... Fable aussi, non? Être d'un troll, en plus il loot des trucs, putain, il faut les farmer.
pas fini. Pouvoir la faire cette zone, hein. C'est pas possible, hein. J'ai pas assez de skill probablement, mais aussi d'objets de soins. Ah, ça valait vraiment le coup que je farm. Hein. En plus, faut tout se retaper à chaque fois. Mais j'ai fait un dive kick. C'était quoi dans la salle d'après? Ah oui, c'est le maître d'armes. Sur cette salle, en fait, sur la porte d'entrée, c'est écrit mort, hein, simplement. Ah, c'est le contenu endgame, hein. Non mais c'est une blague, je peux rien faire. Merde. J'ai tout claqué, j'ai plus d'objets de soins, j'ai plus rien là. Thank you.
Ah mais c'est que de ça en plus. Au bout d'un moment t'es chiant. Ça va pas être possible. Hein. Ah ouais d'accord, des mix carrément. Bon bah là je crois que c'est mort. Hein. Utiliser ça. Je peux rien faire, je fais que subir là, c'est impossible, je sais pas comment on fait, j'arrive pas. Mais qu'est-ce qui était le plus efficace sur le rayon ou l'orbe ? La boule magique, mais c'est mille fois trop lent, et vu la vitesse où ils vont et vu le camion ben que je me traîne, c'est pas possible. Surtout quand il y en a deux différents qui me bolossent comme une victime de la ZUP. Ou alors faut que je bourre mes cœurs, mais bon... Au pire on s'en fout, j'ai sauvegardé, et puis bah si ça passe pas cette zone, bah tant pis, on la fera pas, on zappe, on va direct au Dracula, hein. Si on arrive à se le faire. Pff, j'ai plus rien pour me soigner là. Sinon, entre chaque salle, faut faire ça. Voilà. Et on attend un petit quart d'heure. Qu'est-ce que ça en dit?
Bah écoute, tu te régénères à un ratio plutôt correct, hein. Je pense que c'est viable. Attends, je peux même faire mieux. Putain, la Clodostrate. Même la Battle Arena en mode magicien de Circle of the Moon est plus plaisant à faire. Oui. Putain, sérieusement, j'en suis vraiment réduit à ça. Et la map, au moins, je suis bientôt à la fin ou c'est que le début? Bon, vas-y, je pense que tu peux me le dire, je suis plus à ça près alors. Le problème, c'est que je ne sais pas. Ah, je pensais que tu avais ça sous les yeux. Non. Ils ont pas ça sur le wiki, du coup je vais regarder simplement sur Google. Il est possible que là, du coup, tu en sois à la dernière salle ou à l'avant-dernière. Bon. On va prendre sur soi, on va attendre de se soigner et puis on va y aller. Puis bah, au besoin, on va claquer tous les objets de soin. Hein. De toute façon, en même temps, j'ai envie de dire, on va arriver à Dracula, après c'est fini, y'a plus rien. Hein. J'espère. Ils vont pas nous foutre un château inversé, non? Ce serait totalement abusé, mais marrant. Ouais, marrant, je sais pas. S'ils mettent que des marteaux connards et maître d'armes de mes couilles, je suis pas sûr que ce soit marrant. Allez, ah, des pics partout au sol. Ils ont autant de points de vie qu'un boss, c'est infernal. Puis si j'ai bien compris, à la fin t'as un boss. C'est l'espèce de vampire d'Extrême-Orient ou je sais pas quoi là. Oui. Super. Et donc si on meurt. On et je sais pas si tu peux l'affronter plusieurs fois ou une seule fois, mais je crois que tu dois lui voler un gif. Oh génial. Ça, je m'en serais passé de ce genre d'infos. Bon, je peux me consoler en me disant que Portrait of Ruin, parce que comme j'ai un petit peu joué, j'ai vu beaucoup plus de vidéos de Portrait of Ruin que de Order of Ecclesia, il a l'air moins chiant, moins compliqué, je veux dire. Parce que là, dans la mesure où sur le premier boss j'ai réussi à faire un game over, hein, rappelle-toi, c'était mal parti. Hein. Bon, c'est dommage. Oh oui, non, mais je confirme. Hein, Portrait of Ruin, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à le faire. Il aurait limite fallu que ce soit toi qui le fasse hors d'Order of Ecclesia. J'ai donné. C'est pas grave, tu feras Super Metroid à la place. Oui, déjà, console-toi avec ça. Ouais, bah ça se trouve, le jeu est facile, je connais pas du tout, donc je peux pas dire. Je pense qu'il sera plus facile. Il n'y a pas d'objet de régénération dans un inventaire, il n'y a pas d'inventaire d'ailleurs, mais au moins je peux me régénérer en butant les ennemis. J'ai quand même l'espoir que. Ils m'ont mis une salle de TP au début, peut-être qu'il y en aura une juste avant le fameux boss, ce serait l'idéal. Alors par contre, pour farmer les objets des deux connards là, je sais pas comment que je vais faire. Hein. Bon, on va dire que c'est bon. Oh. Ah bah le v'là le vampire.
Et donc cette vacherie va peut-être caster son fameux glyphe. Invoque un ensemble de morts-vivants. Ok, je l'ai eu. Maintenant, faut mourir. Alors, sensible au truc qui coupe, au feu et à la lumière. Ouais, bah, le rayon, c'est l'idéal. J'ai pas même vu ça lui piquer son glyphe à chaque fois. Par contre, les boules sont un peu chiantes. Et surtout, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Ah. Oh non! Je dois tout refaire! Non! Putain! J'avais dit que ça faisait pas mal de dégâts. Putain, fais chier. C'est quoi? J'ai pas envie de recommencer du tout, hein. Ou alors je vais farmer la blinde d'objets de soins. Je vais farmer des objets de soins. Alors c'est toi qui vois si tu veux te faire une petite séance en stream ou hors stream du coup. Bah, on va laisser, hein. Ça fait pas longtemps qu'on a lancé la vidéo. Mais voilà, si tu veux farmer des objets de soins, mets vraiment tout ce qu'il faut pour augmenter le drop rate. Le ruban augmente ma chance, mais le chapeau trésor augmente l'apparition d'objets rares. J'aurais plus tendance à prioriser la chance. C'était la bague du fou. Quoique, non, j'ai mieux, j'ai les anneaux larrons. Où est-ce qu'ils sont? Comme ça, tu vas voir ce que j'avais dû faire pendant. Bah, pas si longtemps que ça pour. Récupérer des objets de soins. Des ennemis genre eux, ça aurait été plus simple. C'est les soufflés. Alors là, vite énervé à parler, encore parler. Ça va être long. N'est-ce pas? Ah, quoique.
c'est con. Vraiment, je faisais pas gaffe à ma vie sur le boss. Là. Sinon, j'aurais limite claqué une potion, une super potion, là, rien à foutre. Par contre, j'ai l'impression que plus le combat il tarde, plus il y a de boules magiques. Que j'essaye un truc aussi, j'avais regardé juste par curiosité les combinaisons de glyphes les plus intéressantes et apparemment bah, le rayon que j'ai là plus l'épée, genre le dernier glyphe de l'épée, ça fait une attaque qui est surpuissante. Un petit peu comme l'attaque dans Circle of the Moon mais en plus grand. Comme ça, l'épée de lumière, tu vois. Ouais, ouais. Bah, comme dans Circle of the Moon, mais en plus grand. Alors la question, 476, et si je mets intelligence? Oui, sachant que oui, très intelligent, oui. J'avais même pas activé. Putain. Force. 324. Pareil. Et si tu ne mènes ni l'un ni l'autre? 476. Est-ce qu'ils sont faibles contre les dégâts tranchants, les deux armures de merde là? Non, c'est vraiment que la foudre, je crois. Non. C'est contre quoi qu'ils sont faibles? Ils sont également faibles au strike, au marteau. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça donne comme effet si...
Ah, quoi qu'il arrive, ça fait On va essayer ça hein, sur eux, j'espère que j'arriverai à placer les coups, ça c'est le plus compliqué. Oh les gâteaux c'est bon. Ça on peut le laisser. Et croque-monsieur, c'est elle. Et en même temps il donne des Earth Refresh à cet ennemi. Un livre de foudre. Foudre plus marteau, du coup c'est leurs deux faiblesses. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ah bah c'est bon, j'en ai 9. Putain. Les crêpes. Les crêpes c'est plus compliqué par contre. Voilà, c'est ici. Je fais ça. Et hier, j'ai fait ça pendant un petit moment pour avoir 9 items. Ben. Thank you.
ça ira en vente, comme ça on pourra peut-être acheter des potions. De la viande. Merde. Putain, j'en fais des bonnes. Je vais aller trop vite. Ça les lâche pas facilement hein, ces crêpes. T'aurais tendance à considérer que c'est celui-ci le casse-d'âne le plus difficile, toi? Possiblement. Même si je continue de dire que le système de leveling dans Harmony Dissonance est totalement pété, il est quand même faisable. Largement plus faisable. Ouais, je suis assez d'accord. J'allais l'évoquer en deuxième. Bon, bien sûr, on parle pas de Castlevania 3 qui pour moi reste le plus dur. Mais genre dans les RPG, ouais, ce serait celui le plus dur. Et le plus facile, tu dirais que c'est lequel? Le plus facile, peut-être Aria of Sorrow. Ouais, j'allais dire pareil. Game over dans ce jeu d'ailleurs.
Merde, j'en ai encore zappé une. Allez, encore 3. Ah, c'est pas perdu. Boss, il commence dans un premier temps par envoyer une boule de foudre et après il fait son glyphe, donc j'ai pas moyen de piquer son glyphe avant, parce que dès que j'ai le glyphe, après j'essaie d'envoyer la totale pour le muter. C'est pour le 100%. Exactement, c'est pour la collecte. Bon, allez, donne tes crêpes. Autre question, est-ce que ça vaut le coup d'économiser un peu les items de soins en se soignant comme un clodo à chaque salle, d'après toi? Pour moi, la meilleure solution, ce serait de pas avoir à te soigner du tout. Ah oui, ouais, j'ai envie de dire j'aimerais t'y voir, mais... C'est les deux espèces de démons qui volent, ils ont des mouvements beaucoup trop aléatoires. Je suis forcé de me faire toucher une paire de fois. Après, le mec au marteau tout seul, ça peut être faisable. Le maître d'armes tout seul, c'est pareil, ça peut être faisable. J'ai réussi à pas me faire toucher trop de fois, mais les deux en même temps, c'est un test-up. C'est que les ennemis qui lootent les trucs intéressants, ils sont pas chiants. C'est pas des ennemis silencieux. Ils sont obligés de gueuler. Entendre les cris de l'ennemi à chaque fois que tu manges une crêpe. Ouais, mais plus rien là. Je l'ai cassé.
crois, mais c'est chiant. On va acheter chez les escrocs. Pas mieux que ça. Non. La robe c'est pareil. Okay. J'en garde non plus. Et les bagues, bague lune et magicien. Déjà on va vendre. Ok. Ça me redonne 400 avec la bague. Par contre j'ai l'impression que la bouffe ça me redonne plus. Je l'ai dit, les potions, c'est la chiasse, c'est fait par des charlatans, y'a que la bouffe qui compte. Après, j'achète quoi comme bouffe? Tout? Sauf le gros steak parce qu'il est cher, mais le reste, j'achète en mode neuf. Hein. On va faire comme ça, après tout, on n'a jamais claqué le pognon hein, de toute la partie. C'est quoi? On va faire la totale. Voilà. Sauf les trucs les plus chers. Normalement, là, je suis complètement blindé d'objets de soins. J'augmente mes chances de réussite. Alors. C'est parti. Alors, premier, c'est des salles et... Enfin, des trolls et des hommes de fer, je crois. Ça, c'est bon, tu connais, tu gères. Je me prends quand même une patate, hein. Ça, c'est bon. Deuxième, c'est deux démons, je crois, c'est ça? Ouais. Ouais. Merde. Je commence déjà à faire de la merde. Ok. Là, si j'étais vraiment en mode clodo et que je streamais pas, je me soignerais, hein, clairement.
gratter quelques points de vie avant la prochaine la Clodostrate. Ah oui, c'est pas sûr. Maintenant c'est le A. Donc le A, il faut que je bourre une attaque. C'est marrant, mais dans ma tête, ce plan faisait beaucoup plus de dégâts. En fait, c'est de la merde là. Abort the mission. Ok, bon, le marteau, on le prend, on le fout à la poubelle direct. J'avais quoi moi ici déjà? Les faucilles, je crois. Bon, on s'en fout, de toute façon, le or, on l'utilisera plus. On va essayer de refaire la même que tout à l'heure, on va bourriner, se soigner, et puis... J'ai quand même perdu un peu moins de vie, j'ai l'impression. Oui. Bon, il va pas faire de la gymnastique là, que je puisse le toucher. On fait la Clodostrate. Tiens, attends, tu vas pouvoir nous raconter une anecdote sur ce jeu, quoi. Tu l'as fait par exemple, non? Eh ben, j'avais hâte d'y jouer et dès les premiers boss, j'ai déchanté. Sans blague. C'était une expérience très douloureuse. Et j'ai fait la bad ending aussitôt. Ah oui, t'avais pas sauvé tous les villageois? Exactement. Alors, j'avoue que sans même connaître le jeu, j'ai réussi à éviter la bad ending accidentellement. Ça c'est mon flair. Dès que je vois un mur, je me sens obligé de le tester, voir s'il n'y a pas un passage secret, parce que bon, c'est pas que dans les autres Castlevania c'est Légion, mais si en fait, c'est le cas. Bah, tu vois, moi j'avais un petit peu trop de respect pour l'architecture du monde de Castlevania pour déglinguer tous les murs que je croisais, du coup, j'ai pas trouvé le dernier village, moi. Je crois que c'est le deuxième jeu où ils te font commencer pas directement dans le château, tu commences ailleurs. Celui-là est Simon Quest. Oui, dans Simon Quest, t'es dans un village direct. Bah, t'es dans plusieurs villages avant d'entrer dans les manoirs, et après seulement, dès que t'as les 5 morceaux de Dracula, tu retournes dans le château. Ah oui, c'est vrai que tu dois visiter les manoirs où il y a les boss. Ouais, les manoirs assez labyrinthiques d'ailleurs. Avec les fameuses combinaisons d'objets à utiliser de manière totalement cassée. Ouais. Jouer à celui-là, mais ça devait être quelque chose. Alors, en vrai, Castlevania, moi j'ai commencé par Circle of the Moon, hein, directement en mode RPG.
crois même que j'ai jamais joué à un Castlevania qui est pure action. Bah, le premier auquel j'avais joué, moi, c'était justement Samus Quest. J'ai enchaîné ensuite par Super Castlevania et c'est peut-être bien Circle of the Moon qui a été le troisième. Ah, Super Castlevania, il est génial. Celui-là, j'aurais bien voulu le jouer par contre. J'ai fait tellement de game over et recommencé tellement de fois que je pouvais imiter le cri du loup-garou quand tu lances le jeu. Ouais, mais c'est pas grave, la bande-son elle est tellement énorme sur Super Castlevania. Ah oui, là par contre, la bande-son était géniale. Ça c'est Super Nintendo, hein. Il y a toujours les meilleures bandes son dessus. Hein. Exactement, Nintendo Master Race. Secret of Mana, Chrono Trigger. La salle suivante, je crois que c'est uniquement un maître d'armes, on peut se le tenter comme ça. J'ai envie d'essayer un truc, c'est expérimental. Déjà, tu sens que ça pue quand je dis ça. Il n'y a pas de mal à essayer. Si je suis rapide, normalement, j'arriverai à mieux esquiver. Je dis bien normalement. Donc là, on va voir, je vais me faire défoncer. Hein. Ça se passe pas du tout comme prévu. Ouais non, il me faut beaucoup plus d'élan en fait. C'est pas grave. Bah après c'est surtout que tu sautes à partir du sol, pas du rebord. Oui. C'est deux mecs au marteau. Et là on va rigoler. Oh putain, c'est une dafki qui était passée, ça aurait été tellement bien. Ah merde! Putain! Le dafki qui était passé, mais non, il a fallu qu'il mette un coup de marteau. Et puis là, c'était sans pitié. Ah oui, en plein dedans. J'ai l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin. Je sais jamais les mecs au marteau, faut vraiment que j'aille au rayon ou à la boule magique. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace contre lui. Niveau faiblesse, c'est la boule magique, mais j'avoue que le rayon, il a quand même une meilleure cadence, non? Alors plutôt que de parler en termes de cadence, est-ce que tu pourrais plutôt parler en termes de survivabilité? Ah mais survie, non, faut faire une croix dessus sur la survie. D'accord, donc c'est juste bourre jusqu'à ce qu'il tombe le plus vite possible. Voilà, exactement. Et en partant sur cette idée, le mieux c'est de mettre des grosses patates ou de mettre plein de petites patates rapidement.
Tout dépend de la... de la vitesse à laquelle tu penses pouvoir échapper à cette saloperie. D'accord. Balance des grosses patates quand tu peux. Oh, faut voir, hein, les petites patates. J'ai réussi à l'avoir assez rapidement, t'as vu? Ah ouais. Ah, mais il a une hitbox qui est tellement grande. Ah ouais, un point haut, un point en bas, d'accord. Ça rend beaucoup ça. Oh, ça fait à la pointe pour une viande. Là c'est les deux mecs au marteau. Je pourrais essayer de balancer une attaque union pour voir d'entrée. Je l'enchaîne là. On s'en sort pas trop mal. Maître d'armes et un mec au marteau, je crois. Non, deux maîtres d'armes. Ils ont un marteau quand même. J'ai un peu fait de la merde, par contre. J'ai peur. Ah non, là ça va. Il y a ça et il y a un démon, je crois. Et là par contre c'est la pire salle, c'est je sais même plus. Je peux pas passer de l'autre côté. Là, je... eux, ils sont vraiment chiants les deux en même temps.
Merde, mais c'est pas dans ce sens-là. Ok. Et là, c'est la dernière salle, on est d'accord. Normalement, oui. La prochaine, c'est celle avec le vampire. Donc, rappelle-toi, tu peux prendre toutes les gifles du monde si tu veux, mais on ne touche pas les boules. Qui double les cœurs quand tu les ramasses, ça marche aussi pour les Heart Refresh. Ça m'en donne 30. C'était une bague, je crois, non? Mais je peux pas lui aspirer son gif. Là ça va être infernal pour lui avoir son gif, je crois que je suis baisé. Quoique. Putain. La boule a des pop quand je l'ai prise, on est d'accord. T'es sûr que c'est pas une coïncidence? C'est pas possible. Putain, mais je le voulais, son livre de merde là. Ouais, voilà, bah, je suis baisé, je l'aurai jamais. Et bah, va te faire foutre, hein, tant pis, c'est bon, je veux pas recommencer, c'est hors de question. De toute façon, c'est un truc que j'aurais jamais utilisé, comme j'ai dit, hein. Ça m'emmerde un peu quand même. Bah, et puis tiens, comme là je suis très salé, on va aller direct à Dracula et on va en finir avec cette histoire. Hein. J'ai sa quête à lui rendre. Hello. C'est une grosse blague, j'espère. Putain, je me suis fait chier pour ça.
Mais tu peux pas le recombattre ? May the light go with you. Je sais pas. Parce que là, je suis en train de lire qu'apparemment, il y a une quête qui est liée à lui. Oui, bah, je viens de la valider, ouais. Et donc, imagine que tu serais entré là-dedans et que tu l'aurais déglingué. Oh non, faut tout se retaper. Ouais, bah, c'est quoi ? C'est pas grave, on va aller voir Dracula et on finit le jeu, hein. Non, mais là, autant au début, ouais, j'étais parti pour farmer les ennemis, tout ça, mais là, non, c'est bon, ma patience, elle a des limites quand même. Il n'y aurait pas eu toutes okay, ces galeries de merde. De toute façon, 99-60, je vais avoir le 100% mapping, il y aura quand même indiqué 100% quelque part, donc c'est bon. Bon, après, Dracula, il n'est pas encore vaincu. Hein. Die Monster, on connaît. I will toy with you, bit. Ah non, j'ai même pas le 100% mapping. Ouais, bah ça c'est classique, hein. Hellfire, Dark Inferno et Lethal Rain. Ouais, voilà. On saute, on se baisse. Ah oui, d'accord, on peut pas l'esquiver, ok. Ses jambes vont très bien. Ah, c'est la tête qu'il faut taper, mais oui, comme dans tous les jeux, en fait, abruti. Dû racheter des art refresh. Non, j'ai pas envie que tu viennes vers moi. Tintin. Vite, des cœurs. Ah si, il m'en reste encore deux. Oh, ça va, de toute façon, tu fais un double jump et puis c'est bon, c'est réglé. Ouh putain, ça fait mal. Ça fait trop mal. Allez, chauve-souris. Oh. Allez, super potion. Rien à foutre, c'est la fin du jeu. Oui, mais est-ce le dernier boss ? Est-ce sa dernière phase ?
Non, 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 sous le style. Putain, le salaud. Non, elle m'a pas tué. Des leux. Ah, j'ai plus de cœur. Ah. Super potion, allez. Par contre, ouais, bah là on va bourrer le rayon magique, hein. De toute façon j'ai plus de cœur donc. Non mais arrête. 80. Ah non, pas les chauves-souris. Ouais, je suis mort. Faut que je garde mes cœurs pour la partie 2. D'ailleurs, on va faire mieux que ça. On va aller racheter des Heart Refresh. Welcome. Hey, want to buy something? Et on va racheter des grandes potions, allez hop. Non, non, les potions, je suis bon. Attends. Curie, ça soigne bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Vous savez, les acheteurs, on se bouscule quoi. Ça y est, j'ai débloqué le Troulas Boss là, le fameux marchand. Allez! Lâche l'item, Samuel! Ouais bah, il est gentil lui, il me file ça à la fin du jeu. Ça donne quoi les rabais? Hey, want to buy something? Putain, en plus ils sont conséquents. Ah oui! 1000 balles d'économiser sur le gros steak. Hein. Come back again. Putain, sale escroc. Petite réduction de 20%. Commencer par le bourrer avec le C, avec la boule magique. Après j'ai peur que... Ouais, c'est ténèbres et foudre, ça va pas y faire grand chose. On va essayer. Oh, quoique, ça fait quand même des bons dégâts. Hein. Monster. I will toy with you. Ok, il en a rien à foutre. Dark Inferno. Dark Inferno.
Tuer Dracula. Ah non, peut-être pas. Il y a une P3. Putain, il y a une P3. Il est temps d'utiliser Dominus. Ok. Mais j'utilise quoi avec Dominus? Une attaque combinée? T'en as pas 3? Ah, il faut juste les équiper. Bah ça et puis je sais pas, faut peut-être les utiliser. Ah, visiblement c'est une attaque combinée. Y a pas le vitrail pété avec les rayons qui rentrent pour une fois. Ouais, visiblement déglinguer Dracula grâce au pouvoir de Dracula, tant pis pour la lumière.
Ah oui, le classique effondrement du château. D'habitude, il y a tous les copains qui sont autour en train de rigoler. Ouais, on l'a bien niqué. Non, ce coup-ci, elle est toute seule. Pas de Maria ou de Richter, pas de Hammer et de Julius et de Yoko Belnades. J'ai pas vu Simon se faire acclamer par qui que ce soit non plus. Oui, mais Simon, il a besoin de personne. Et bah, je suis pas fâché que ce soit fini parce que la fin, putain, je pensais que ça devenait de plus en plus facile sur la fin, mais en fait, pas du tout. Il y avait un mid-game un petit peu timide, mais par la suite, c'est revenu. Bah en fait, à partir du moment où tu récupérais la boule magique là, Cerbatus sur Albus, le jeu il était vraiment agréable à faire. C'était, tu roulais sur tout le monde. Après, arrivé dans le château, dès que tu récupérais le rayon sur les Nova Skeleton, pareil, ça facilitait grandement les choses. Mais au final, contre les vrais ennemis endgame, bah ça suffisait pas. Il fallait du skill et malheureusement je l'ai pas. En plus ma manette, le D-pad, il me fait de plus en plus chier. Alors oui, je sais, c'est des excuses, mais non, la manette de Xbox, vraiment, je déconseille. Et au final, je comprends pourquoi c'est. Je comprends pourquoi il y a des autres chasseurs de vampires qui s'y mettent aussi. C'est genre Nathan et ses parents, c'est parce qu'ils s'en sortent mieux que Chanoa en fait. Hein. Pourtant, ils ont pas le vampire killer. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, Nathan il joue aux cartes. Ouais. Oh, même sans les cartes, hein, en mode fighter, le jeu est pas si compliqué que ça, Circle of the Moon. Oh, mais attends, mode fighter il est totalement pété. Déçu de pas avoir fait le 100% par contre, mais je recommencerai pas, enfin je continuerai pas ma partie pour poncer le 100%. Non, c'est mort, là, j'en ai un petit peu marre. T'as déjà perdu ta virginité là-dessus, t'as pas envie d'y repasser. Ouais, non, je sais pas si le prochain ce sera toi ou moi, ça dépend parce que t'en as fait deux d'affilée la dernière fois. Peut-être que enfin, j'en fasse deux pour équilibrer un peu la balance. Deux d'affilée, j'avais fait quoi déjà? FF6 c'est derrière Might and Magic. Might and Magic, ouais. Après moi ça me dérange pas d'en refaire un direct après. Hein. On peut voir sur quoi je partirais. Sachant qu'on a déjà trois idées pour moi. Bon, en tout cas le jeu est bien. J'aime bien les persos, par contre il est vachement dur. Et par curiosité, je regarderai des vidéos, genre des speedruns ou des let's play, voir si les mecs ils en chient autant que moi. Bon, les speedruns, j'imagine que non, hein. Ça va être une grosse blague et même moi je vais halluciner. Prépare-toi à une frustration maximum. Ouais, je vais halluciner en voyant des trucs, mais au moins des let's play d'autres personnes qui jouent en mode casu, voir ce que ça donne. S'ils galèrent autant que moi j'ai galéré. Après, peut-être que c'est plus facile sur DS, parce qu'ils ont pas le D-pad de la manette de Xbox 360. Surprise, à la fin des crédits, ça va me mettre que j'ai débloqué le boss rush ou le mode hard, chose qu'on ne fera pas, c'est hors de question. Ça, le fait de l'avoir fini, ça n'a toujours pas répondu à ma question. Est-ce que je suis Team Chanoa ou Team Myriam? J'arrive pas à me décider, j'aime bien les deux persos.
And you? Ouais, et bah de rien. Hein. Mode difficile, mode Albus. Ah, on peut jouer avec Albus? Ouais, enfin, si ça fait comme dans Harmony of Dissonance où tu peux jouer avec Maxime et que c'est infaisable, ou avec Julius dans Aria of Sorrow et pareil, c'est infaisable non plus. Mode sonore, mode boss rush, hein, classique. Ah, oui, ça c'est le New Game Plus. Ça, à la limite, avec le New Game Plus, ça peut être marrant. Tu commences avec toutes les glyphes, là, les plus pétées, là, ça peut être drôle, mais... Ça rend les Game Over juste beaucoup plus embarrassants. Ah bah là, oui, au début, faut vraiment le faire pour faire des Game Over. J'imagine que le premier boss, là, avec les rayons, tu le défonces. Et ouais, 99,7%, ça c'est dommage. Et pour être drôle, j'aurais bien voulu monter un niveau en plus, juste pour la blague. Compris, non? Non. Bon, c'est pas grave. On va se laisser là-dessus, je vais te laisser réfléchir. Bon, bah allez, salut. Salut.